Voilà, bonjour Ludovica. Bonjour Pascal. Alors je te remercie en fait d'intervenir aujourd'hui sur une thématique extrêmement, je dirais, importante qui concerne spécifiquement l'Église italienne. Et avant d'aborder, je dirais, le fond de notre sujet, je souhaitais, Ludovica, te demander du coup d'où tu parles, c'est-à-dire de te présenter en quelques mots. D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis une journaliste. Je travaille depuis 30 ans dans une petite revue qui est cependant une revue historique où l'attention aux abus a toujours été au centre. On a toujours cherché de donner voix aux voix qui n'avaient pas voix. Et donc aux victimes, aux grandes questions de l'Église, aux sujets marginalisés. Et donc ça a été assez naturel pour moi de parvenir à m'occuper des abus. C'est désormais une vingtaine d'années que je m'occupe d'abus, pas seulement de pédophilie dans l'Église, mais aussi de l'abus des religieuses, des femmes, des adultes, des personnes dites vulnérables. Et pour parvenir à comprendre les causes structurelles, systémiques, de l'abus, les contextes, les relations, les asymétries de relations qui créent le terrain plus favorable pour l'abus. Donc, la revue où je travaille, qui s'appelle Adista, a choisi de faire partie de la coordination d'associations de médias sensibles au thème qui, depuis quelques mois, s'occupe de être un outil de pression envers les institutions, l'Église, mais aussi l'État, qui en Italie ne s'occupe de la question des abus. Donc, ensemble, on cherche de briser ce mur d'omerta, de silence qui concerne aussi les médias italiens. C'est assez difficile en Italie d'avoir l'attention des médias lorsque on attaque pas l'Église. C'est pas question d'attaquer l'Église. Au contraire, notre enjeu, c'est de rendre l'Église consciente du fait que la transparence, l'honnêteté, la capacité de se regarder au-dedans pour faire une opération de vérité, qui est le premier pas envers la justice et la prévention, ça c'est pour redonner à l'Église sa crédibilité qui a été très, très damagée dans la crise, le scandale des abus. Donc, nous, on cherche de presser, de faire comprendre qu'il y a la nécessité de s'aligner avec la conduite des autres pays qui sont avant nous. Pour nous, la commission SIAS, avec le rapport Sauvé, a été l'inspiration pour comprendre qu'avec tous les problèmes dont nous sommes conscientes, c'est la route. Ça, c'est la route aussi pour l'Italie.
En Italie, malheureusement, il n'y a pas la disponibilité à ouvrir les archives, à ouvrir tous les tiroirs des paroisses, des centres pastoraux, des écoles, des diocèses. Ça a été ce que nous demandions dans notre lettre aux évêques, de ne se décider pour une commission à l'intérieur de l'Église même, mais de donner accessibilité à une commission extérieure composée de personnalités compétentes, peut-être des juges en retraite, indépendantes, pour que conduisent cette enquête d'une façon totalement indépendante. C'est ça. Mais avant effectivement de venir, je dirais, aux demandes d'Italie cherche tout, j'aimerais en fait aussi que tu nous expliques un petit peu dans quelle est l'origine d'Italie cherche tout et quelle est effectivement sa demande et aussi sa structure. Parce que je pense que il y a une structure, il y a une sorte d'agglomération, d'associations qui effectivement ont souhaité œuvrer en vue justement de dénoncer les abus. Et l'omerta de l'Église italienne. Tu peux un peu nous rappeler cette origine de l'Italie cherche tout? Italy Church 2 est né il y a quelques mois, grâce à l'initiative de certains groupes de femmes. Ça, c'est très intéressant. Des groupes de femmes féministes de l'Église. Qui déjà depuis 2 années travaillait sur la question des droits des femmes dans l'Église, sur la question des abus des religieuses. Et donc, ça a été assez naturel de décider que le moment était arrivé pour s'engager d'une façon plus pratique. Plus organisé, de créer un réseau d'associations, pas une association en soi, mais un réseau d'associations de personnalités, de gens qui étaient engagés dans l'Église ou non, de citoyens. Pour nous, ça a été d'abord une question de citoyens. Donc, ces groupes de femmes ont pris cette initiative de créer cette coordination qui, la parole l'exprime, ce n'est pas une association, mais c'est une agglomération. D'organisations qui déjà existent pour exercer une pression sur les institutions. Nous avons réfléchi sur le fait qu'en Italie, le nombre de prêtres est presque le double. Du nombre qui est de prêtres français. Donc, on a réfléchi beaucoup sur quel pourrait être le cadre, la situation des abus en Italie. On a décidé de s'organiser, mais la priorité, la question la plus importante pour nous, c'était d'impliquer du premier moment au centre de ce réseau
les victimes. Ça a été pour nous la question la plus importante. Parce que nous sommes convaincus dès le début que ce sont les victimes qui décident la route. Donc, en février, nous avons présenté au public ce réseau. Nous avons expliqué que c'était le peuple catholique même qui demandait à son Église la transparence, la vérité, qui seuls peuvent garantir, assurer des mesures de prévention. S'il n'y a pas la vérité, s'il n'y a pas la justice, c'est comment bâtir une maison à partir du troisième étage. Il n'y a pas la fondation. Ouais. Donc, on a décidé de se poser d'une façon assez frontale, assez ferme devant la conférence épiscopale qui allait changer son président à mai, le mois dernier. Et donc, nous avons réfléchi sur le fait que c'était arrivé le moment pour chercher de pousser ce changement. L'ancien président de la conférence épiscopale s'était déjà exprimé d'une façon totalement insuffisante sur les mesures à prendre. Il avait exprimé le souci que justice, c'était comme dire justicialisme, et aussi d'autres personnalités de la conférence épiscopale, comme l'évêque Ghizzoni, qui est le responsable de la commission pour les mineurs, il avait dit qu'il ne faut pas garder au passé. Il ne faut pas se concentrer sur le passé, ce qui a été désormais, ça a été, c'est passé, il faut se concentrer sur le futur. C'était une façon de gérer la question des abus que nous n'avons pas accepté. Nous avons insisté pour une enquête indépendante sur le modèle français. Ouais. Nous sommes conscientes qu'il y a des différences entre le système de la loi française et le système de la loi italienne. Par exemple, en Italie, grâce au concordat qui existe entre l'État et l'Église, les évêques ne sont pas obligés à dénoncer, à différence de la France, où tout le monde est obligé à dénoncer lorsque quelqu'un vient à connaissance d'un abus. En Italie, c'est pas la même chose. Et les évêques, les prêtres ne sont pas obligés. Ça, c'est un obstacle
Majeur. majeur. Oui, effectivement, c'est une grosse différence entre les autres pays et l'Italie, c'est le Concordat, effectivement, qui est désigné. Mais du coup, en fait, la question que je me pose aussi et que je voulais te poser, du coup, c'est comment finalement expliquer cette différence, je veux dire, si grande entre l'Italie et les autres pays qui ont effectivement, enfin, les autres églises dans les autres pays qui ont accepté effectivement de se remettre en question. Je pense évidemment à la France, à l'Allemagne, à l'Australie, aux États-Unis, où là finalement, et la Nouvelle-Zélande aussi, où des enquêtes larges finalement ont pu avoir lieu sur les abus. Et l'Italie, quelque part, fait un petit peu exception, je dirais, dans le paysage européen. Comment expliquer que l'Italie soit peut-être aussi puissante et finalement aussi réticente à faire cette œuvre de réconciliation finalement avec les victimes, alors que quelque part, l'Église en Italie, comme les autres Églises, évidemment, ont en principe, je dirais, au centre de leurs préoccupations le souci du pauvre, du fragile, enfin, conformément à l'Évangile, quoi, que l'on prêche chaque dimanche. Donc, comment expliquer un peu cette différence? Le problème en Italie, c'est qu'il y a une culture catholique qui est très mélangée dans les gens à un niveau de base. La culture catholique, je ne me réfère pas à la foi ou à l'engagement. Catholique dans l'église, dans les paroisses. C'est pas une question de foi, c'est une question de culture. Il y a un mélange très fort entre politique, culture catholique, tel qui n'est pas possible de démêler l'élément laïque de l'État, réellement laïque de l'État, et l'élément confessionnel religieux. Ça, c'est très visible dans la politique. Il y a une attitude cléricale qui traverse toutes les formations partitiques, politiques. Il y a une révérence, un respect excessif, très, très fort envers l'Église. Il y a toujours le souci de ne pas critiquer. Et ça c'est visible, surtout à niveau de médias. Surtout le média plus grand, plus influent. C'est très difficile qu'il consacre du temps et d'espace aux questions de l'Église s'il y a quelque chose à remarquer, à reprocher. C'est très difficile. On l'a expérimenté à l'occasion de la présentation de ce réseau d'initiatives Italy Church Too. Il y avait tout le monde du journalisme étranger. Et il y avait très peu de journalistes italiens. Et c'est une question historique. C'est une question de présence très, très forte du Vatican. La présence du Vatican, c'est une présence qui conditionne, qui influence très fortement la conférence épiscopale, les évêques et en conséquence aussi les catholiques, le peuple catholique. C'est une présence très lourde qui a un poids spécifique, un poids très fort, qui crée
cette omerta, ce mur de silence. En Italie, c'est très, très difficile pour les victimes d'émerger, de se faire écouter. Nous sommes en Italie des années arrière sur ce problème en comparaison avec les autres pays. Je ne sais pas, il y aura besoin de beaucoup d'années encore, peut-être d'une génération ou deux d'évêques pour arriver à être consciente de la nécessité de distinguer les niveaux pour la politique aussi de se éloigner de cette conduite très toujours très complice envers l'Église. Ça veut dire aussi, Ludovica, quelque part, que l'Église italienne n'accepte pas non plus peut-être d'entendre les propres propos du pape François, qui lui a parlé quand même de tolérance zéro. Donc, est-ce que ça veut dire que là, il y a aussi une réticence peut-être de la part du clergé italien de faire la transparence par rapport justement aussi à ce que demande le pape François? Ou alors effectivement, est-ce que le pape François tient des propos, je dirais, assez théoriques, mais qui de fait n'ont aucune visée pratique. Comment est-ce que le clergé italien, quelque part, se comporte par rapport à la position officielle du pape François, qui était justement de mettre de l'ordre dans les abus et de dénoncer précisément aussi les prêtres abuseurs? Alors, je pense que Pape François a une idée très précise de la lutte aux abus qui ne s'explique sur le niveau, comment dire, de la pratique. Il a une idée du discernement. De la gradualité, de la nécessité de changer peu à peu, peu à peu. Comment dire, les politiques les plus pragmatiques du pape François, qui sont dans le motu proprio, Vos estis lux mundi, ont attribué aux évêques la responsabilité de dénoncer, par exemple, de dénoncer l'obligation morale à dénoncer. Mais c'est une obligation morale. Et il faut considérer que la résistance à dénoncer chez les évêques est très forte. Je pense que le motu proprio n'a pas été efficace dans ces derniers 13 ans. Il avait été conçu comme un document ad experimentum, mais il ne fonctionne pas. Parce que, il n'y a pas de dénonce. On continue dans cette habitude de transférer les prêtres qui sont accusés d'abus. Il y a de la lenteur, les centres, les cellules d'écoute des diocèses ne sont pas considérés par les gens quelque chose d'accessible parce que si une victime a été abusée au-dedans de l'église, elle ne voudrait pas faire
donner son témoignage à l'intérieur de la même structure, de la même. Les cellules d'écoute ne sont pas super partes. Ils sont insuffisants. Donc, oui, Pape François a exprimé beaucoup de fois sa condamne de l'abus dans toute façon, mais j'ai l'impression que le clergé ne le suit pas. Ne le suit pas. Il se trouve à un niveau comment dire, de nécessité morale de surmonter le problème des abus. Il a aussi, juste hier, il a reçu un groupe de victimes anglais. Il a été très accueillant, il les a écoutés, il a une attention pour les victimes. Mais un niveau de base de politique de la façon de gérer jour par jour dans les diocèses les abus, on est sur un niveau complètement différent. C'est ça. Et là, c'était un point majeur justement de votre lettre du 16 mai 2022. C'était justement d'exiger quelque part une commission indépendante parce que de fait, les cellules d'écoute internes à l'Église, finalement, c'est aussi une façon peut-être d'étouffer ou de donner une indemnité aux victimes assez réduite en sachant que beaucoup de victimes de l'Église sont, je dirais, des personnes qui sont pauvres hein, et qui dépendent aussi de l'Église parce que l'Église, du coup, les aide aussi, notamment au niveau du logement. Donc là, il y a peut-être justement un manque d'indépendance. Dépendance qui fait que de fait on ne peut pas régler les choses de manière juste et équitable, d'où cette demande d'une commission indépendante, comme c'était effectivement le cas en France avec la CIAS. Hein. Donc c'est un petit peu le modèle que l'Italie souhaiterait, enfin, que la société italienne souhaiterait effectivement promouvoir. C'est un modèle où l'indépendance est garantie, ce qui finalement est assez logique quand on veut quelque part garantir une neutralité et non pas encore une immixtion de l'Église dans la situation des personnes. Et là, en fait, entre-temps, bon, la lettre, évidemment, elle était, je l'ai dit, du 16 mai, en vue de la conférence qui devait se tenir du 23 au 27 mai, et puis entre-temps, évidemment, le 24 mai 2022, donc le cardinal Zuppi était nommé. Alors là, justement, par rapport à cette nomination, est-ce que, du coup, Italie surtout a l'impression qu'enfin, elle va être entendue ou qu'au contraire, ben, rien ne va bouger? Parce qu'il est considéré, je pense, comme un cardinal plutôt de gauche qui, quelque part, à lui-même, je dirais, est un peu en difficulté par rapport aux autres cardinaux plus conservateurs. Donc, comment vous situez-vous, quelque part, en tant qu'association par rapport à ce cardinal qui vient d'être nommé? Vous avez bon espoir ou bien rien ne va changer? Alors, ce que nous, on pense au regard du cardinal Zuppi, c'est qu'il a montré d'être un évêque très attentif aux exigences des personnes les plus pauvres, les plus marginalisées dans la société. On l'a vu dans sa responsabilité comme évêque de Bologne envers les pauvres, envers les immigrants, avec les personnes homosexuelles, LGBT. Mais sur la question des abus, on a la sensation que rien ne bougera. Les 5 points
qu'il a expliqué lorsque il a présenté son programme le 27 mai, ont clairement on fait comprendre que la façon de gérer ce dossier des abus, c'est une voie italienne, comme il l'a défini, qui est en fait inutile. Les 5 points qu'il a expliqués font comprendre que on n'a pas envie d'ouvrir les archives, de donner sa disponibilité à une commission indépendante. On a décidé au contraire de réaliser un rapport national sur les cas d'abus signalés au réseau du service national des cellules d'écoute qui existe depuis 2 ans. 2 ans. Et aussi, on a décidé d'effectuer une analyse quantitative, qualitative, concernant les crimes qui sont arrivés à la Congrégation pour la doctrine de la foi pendant les derniers 20 ans. C'est une période trop limitée. Et on nous a rassurés sur le fait que ce serait une recherche indépendante parce que les données seront analysées par un institut universitaire indépendant. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose de recueillir les données qu'on veut recueillir. Seulement certaines données et de les donner à une institution théoriquement indépendante, mais ça, ce n'est pas une commission indépendante, c'est complètement une autre chose. Et aussi, la période examinée, c'est trop limité. C'est en quelque façon, c'est discriminatoire. Parce que elle exclut les victimes qui ont émergé avant l'année 2000. Donc, c'est aussi une période insuffisante pour déterminer, pour étudier les dynamiques, les relations, les contextes structurels, les causes systémiques de l'abus. C'est une période de 20 ans. Le cardinal a expliqué que cette décision avait été prise parce que on voulait se concentrer sur une période très proche, aussi d'une point de vue émotionnel. C'est quelque chose qui engage analyser une période qui est proche de nous. Mais ce n'est pas une raison suffisante. Au contraire, il faut avoir le courage d'enquêter le passé de l'Église, les institutions, de déterminer comme je le disais, les contextes qui ont favori les Ben oui, abus. c'est ça. Une Oui. période de 20 ans, c'est insuffisante. C'est ça. C'est un peu tout le paradoxe que tu relèves, le fait que le cardinal Zuppi lui-même dit on n'a rien à cacher.
Donc, on n'a pas envie d'enterrer les choses. Les victimes sont prioritaires dans l'Église, ça ne doit pas rester en interne. Et en même temps, effectivement, officiellement, on veut quand même se concentrer sur les 20 dernières années, alors qu'en réalité, évidemment, le problème, si on veut effectivement le voir dans son ampleur complète, je dirais, il remonte à bien avant. Et c'est important, évidemment, de montrer justement ce caractère systémique et aussi, quelque part, de reconnaître que les victimes, bah, elles sont de fait extrêmement, je dirais, anciennes dans l'Église, puisque l'omerta et les abus, évidemment, quelque part, sont un petit peu quand même consubstantiels, je dirais, à la structure même de l'Église. Je voudrais quand même rappeler ce qui me paraît important, les 7 points de votre lettre, puisque effectivement, ils sont, je dirais, tous cruciaux et à prendre en considération par l'Église d'Italie. Donc, ce qui est demandé dans un premier temps, c'est la pleine collaboration de l'Église italienne à une enquête indépendante, on en a parlé. Également, l'ouverture et la mise à disposition des archives des diocèses, des couvents, des monastères, des paroisses, des centres pastoraux et des institutions scolaires et éducatives catholiques. C'est aussi essentiel, évidemment, pour savoir ce qui s'est concrètement déroulé. C'est évidemment la mémoire même de l'Église et le cas échéant des abus qui se sont déroulés en son sein. Troisièmement, vous demandez que la question critique de l'absence de statut de tiers des centres d'écoute diocésains existants soit abordée, en élaborant de fait une proposition alternative offrant des figures professionnelles neutres et compétentes, afin de rendre la collecte des histoires et des témoignages moins lourde psychologiquement et plus facile et rigoureuse. Ça, c'est le point, je dirais, en vue de la vérité. Le point 2, en vue de la justice, c'est que les victimes et leurs familles soient entendues, accueillies et indemnisées, y compris financièrement, pour les dommages biologiques, psychologiques, moraux et économiques qu'elles ont subi, même en sachant que rien ne pourra jamais compenser les souffrances infligées. Effectivement, c'est peut-être symbolique, mais c'est également important le symbole qui est une indemnisation, je dirais, financière, et pas simplement, je dirais, un mea culpa, ou je dirais, comme l'Église, quelque part, de manière systémique, pour le coup, le fait aussi, c'est-à-dire qu'elle a l'habitude de prier pour les victimes et de demander pardon, mais sans acte concret. Le cinquième point, c'est l'application stricte des normes établies par le pape François, en particulier celles contenues dans le motu proprio Vos estis lux mundi, dont effectivement tu as parlé. Sixième point de la proposition, c'est promouvoir l'élimination de la prescription, parce que là, évidemment, l'Église peut effectivement se cacher derrière la prescription pour dire là, on n'y touche pas. Mais peut-être revenir à l'Évangile, c'est aussi revenir justement à la justice et donc à l'absence de prescription. Et alors le troisième point, c'est dans un but de prévention, pour éviter évidemment que le passé, pour le coup, ne se reproduise, c'est évidemment de faire en sorte que les choses ne se reproduisent plus et donc donner une formation aux sacerdoces, l'éducation psycho-affective des séminaristes et des candidats à la vie religieuse, la refonte des dynamiques pastorales qui nécessitent des temps de réflexion très longs dans ce contexte spécifique. Et je pense peut-être... Tu ne me démentiras pas, c'est que c'est d'autant plus long comme nécessité de la prévention que justement les abus ont été justement extrêmement longs et systémiques pour le coup également. Et alors, septième point de la proposition, c'est qu'un certificat obligatoire de lutte contre la pédophilie prévu par la Convention de Lanzarote adoptée par le Conseil de l'Europe soit également étendu aux clergés et aux bénévoles actifs dans l'Église, afin de rétablir une plus grande transparence des institutions ecclésiastiques. Donc voilà les différents points qui sont soulevés. Et donc c'est vrai que du coup, évidemment, la question se pose de savoir comment vos différentes propositions vont être accueillies par l'Église italienne et par la conférence épiscopale en particulier. Donc là, peut-être comment à ce stade, si je dirais au jour d'aujourd'hui, comment vous positionnez du coup? Nous, on a été très déçus pour les décisions de la conférence épiscopale. Aucune de nos demandes a été accueillie, effectivement. Et aussi, ce que nous demandions envers le rapport avec l'État,
a été en effet totalement bouleversée parce que nous demandions de ne pas collaborer avec des initiatives de l'État qui ne prévoyaient la nécessité de faire une opération de vérité d'abord. En effet, la conférence épiscopale italienne a été invitée, au contraire, à l'Observatoire de lutte contre la pédophilie du ministère de la famille italien, qui est un observatoire qui, en effet, n'a jamais, presque jamais travaillé. Il a eu des longues périodes d'inactivité. Parce qu'on pense que l'Église ne peut pas être invitée comme consulant ou comme expert lorsque l'Église d'abord doit faire une opération de vérité. Et donc, c'est une collaboration avec l'État Qui est faussé. Oui, qui est faussée parce que en effet, c'est une collaboration c'est une sorte de main tendue par l'État à l'Église pour que l'Église puisse montrer à l'extérieur d'être engagée dans la lutte aux abus. Mais en effet, on doit comprendre ce que fera l'Église à ce niveau. C'est ça. Mais alors du coup, c'est un peu ce qu'on dit. C'est vrai que on ne peut pas évidemment être juge et partie à la fois. Ça ne démontre pas évidemment une réelle volonté de faire le ménage chez soi grâce justement à une commission indépendante et pour le coup impartiale. Mais du coup, j'ai envie de dire, Ludovica, quelle est la marge d'action quelque part que vous voyez en tant qu'organisation qui regroupe, on l'a dit, plusieurs organisations, en tant qu'Italita Church Too, quel est quelque part encore votre levier d'action, votre marge de manœuvre pour essayer quand même d'infléchir le mouvement actuel? Nous, comme agglomération de différentes réalités du monde catholique, mais pas seulement catholique, aussi laïque, nous avons un terrain commun qui est la promotion de la justice pour les victimes. Ça, c'est le terrain que nous avons en commun, que nous voulons partager et que nous voulons proposer comme notre force, notre ressource. Donc, je pense que prochainement, nous expliquerons notre activité surtout sur un niveau de communication et de pression. Il faut dire que notre lettre a accueilli centaines d'adhésions. De soutien. Il a obtenu un soutien que nous. Ça a été une surprise. C'est un facteur très, très important parce que ça signifie que la base, quelque chose se bouge dans la base.
quelque chose va changer dans la base. Donc, on va renforcer l'adhésion avec la base, la communication avec la base, pour que l'opinion publique devienne plus informée, plus consciente des enjeux. Et ça, c'est un travail. Un deuxième travail sera le travail avec les institutions de l'État. Et un troisième travail, ce sera envers les institutions de l'Église. Nous voulons continuer à être une présence, comment dire, une présence qui est toujours là, qui est Active. toujours là et qui se fait entendre et qui cherche avec les petites forces qu'elle a de donner voix aux victimes et de partager avec toutes les ressources qu'on a à disposition, les médias, les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut mettre à disposition, de partager le plus possible une réflexion, une formation, c'est quelque chose qui pour nous, ce sera un travail très long. Mais on doit chercher de briser morceau par morceau ce mur de résistance de l'institution, de la part de l'institution et de silence qui enveloppe toute la question. Seulement si on réussit à briser ce mur de silence, on pourra envisager la possibilité de changer quelque chose. Parce que je pense que on doit toujours partir du terrain. Un silence pour le coup également systémique, effectivement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que la société italienne, évidemment, c'est comme les autres sociétés en Occident sécularisée, mais en même temps, il y a aussi une prise de conscience de plus en plus forte au sein de la société par rapport justement aux abus commis par l'Église. Et donc la société, quelque part, en même temps, se réveille aussi. Et donc ça, c'est aussi la base, justement, qui fait en sorte que l'Église est obligée de se réveiller et de ne plus, en fait, gérer les problèmes comme elle les a gérés, c'est-à-dire en interne. Donc là, c'est évidemment important. C'est un levier extrêmement puissant aussi, sur lequel vous pouvez, j'imagine, compter en tant qu'association. Donc, on va évidemment, je dirais, suivre l'actualité, la manière dont la conférence des évêques évolue, réagit, prend conscience effectivement des abus, et non seulement prend conscience, mais évidemment pose des actes concrets en vue d'une réparation, notamment financière, de toutes les victimes de l'Église. En Italie ici, puisque c'est effectivement de cette église-là que l'on parle. Je ne sais pas si tu souhaites encore ajouter un élément important par rapport à notre échange du jour. Ce que je voudrais dire encore, c'est que ici en Italie, il y a un gros obstacle, un autre obstacle, qui est la crédibilité qui est attribuée à la figure du prêtre. Le prêtre, historiquement, c'est la personne qui est le point de repère d'une communauté. Ça a été ainsi, ça a été le cas dans le dernier siècle, mais toujours dans le petit centre, dans le petit village. Il y a cette
personne, cette figure d'autorité qui dans laquelle on a une confiance totale. Parce que il y a un discours, et ça c'est parti de notre travail de formation sur les causes structurelles de l'abus. Il y a cette déformation de la figure d'autorité au-dedans du clergé, grâce à laquelle la figure du prêtre est divinisée et sacralisée. Et on ne met jamais en discussion ce que le prêtre dit. Parce qu'on le conçoit comme une figure semi-divine. Cette sacralisation qui a été à l'origine des différents niveaux des laïcs d'une part et du clergé de l'autre, sans possibilité de communiquer d'une façon paritaire, d'une façon égalitaire. Et ça a été un élément très fort qui a favori l'abus. Donc, dans la société italienne, il y a encore cette confiance dans le prêtre. Et ça, c'est un obstacle très grand parce que on considère la possibilité peut-être il y a le prêtre pédophile, ce prêtre pédophile, mais qu'il n'y a pas, on n'a pas la possibilité, les instruments, les outils culturels pour comprendre les causes réelles. C'est un travail très profond, très long d'enquête sur les contextes, le setting, on dirait aujourd'hui en termes psychanalytiques, le setting dans lequel, par exemple, la cure, l'attention pastorale s'explique, qui est un contexte sans règles. Sans des limites déontologiques, si nous faisons une comparaison entre le rapport entre patient et psychologue et entre le prêtre et la personne qui se réfère au prêtre parce qu'il se trouve dans une situation de fragilité et de besoin, il y a des règles d'une part, des limites, et d'autre part, il n'y a une garantie d'un lieu sûr, d'un lieu. Oui, et c'est un peu comme si le clergé, effectivement, c'est un peu comme si le clergé n'avait pas de compte à rendre à la société civile, ni a fortiori à la justice, parce qu'effectivement, il est à part, en fait, hein. C'est aussi ce qui a soulevé, justement, ce qui a été soulevé par le rapport de la SIAS, le côté sacralisé du prêtre, qui fait que il n'a pas de compte à rendre et que quelque part, c'est un autre Christ et que du coup, il reste intouchable. Et qu'on n'a pas à remettre en cause la figure du prêtre qui permet de fait les abus non seulement sexuels mais aussi spirituels, en sachant que le spirituel, parfois, quand il y a un abus spirituel, ça mène aussi à l'abus sexuel. Donc là, c'est effectivement un point important que tu soulignes parce que ça permet de fait les abus et aussi l'omerta, puisqu'on ne touche pas évidemment à la réputation d'un prêtre qui est censé être le représentant du Christ sur terre. Donc ça, c'est un point extrêmement important qui a été de fait déjà amplement, je dirais, développé et mis en exergue, notamment dans le rapport de la SIAS, mais pas que. C'est une question récurrente qui se pose un peu partout et que l'Église italienne, effectivement, devra aussi à un moment donné
se poser et les croyants aussi, évidemment, au sein de l'Église, par rapport à la toute-puissance du prêtre sur les consciences et la vie des personnes. Donc, voilà. Donc, merci évidemment pour cet échange qu'on souhaitait pas trop long, mais qui, je l'espère, permet effectivement de brosser dans une première étape un petit peu je dirais, l'origine même de l'Italie cherche tout, et puis de fait un petit peu sa structure et aussi, je dirais, comment elle veut œuvrer pour participer précisément, je dirais, à la purification peut-être de l'Église pour éviter que les abus passés ne puissent se reproduire au présent et idéalement dans l'avenir. Un tout grand merci à toi. Merci à toi, Pascal. À bientôt, et puis de toute façon, on va évidemment continuer à suivre l'actualité et à faire d'autres échanges pour le futur. Merci. Merci.